l'âne trop trop, l'âne trop trop, trop trop rigolo. L'âne trop trop, l'âne trop trop, trop trop rigolo. L'âne trop trop, c'est l'ami qu'il nous faut, trop trop rigolo. Papa rentre du marché. Bonjour papa. Bonjour Trotro. Je porte le panier, je porte le panier. Mais non mon Trotro, c'est beaucoup trop lourd pour toi. Par contre, je pense que tu peux porter ça. Oh, une sucette. Merci papa. Tu la mangeras après le déjeuner Trotro. Tiens, c'est pour toi. Oh, merci. Comme il sent bon. C'est très gentil. Oh, elle est très contente, maman. Hop! J'ai une idée. Si j'offre un bouquet à Nana, je suis sûre qu'elle sera aussi contente que maman. Il faut absolument que je trouve de belles fleurs pour Nana. Ah, voilà! Jolie Marguerite, tu es la première fleur de mon bouquet. Et tu sens bon. Et hop, un beau coquelicot pour mon bouquet. Oh, la belle brindille. Allez, toi aussi, dans mon bouquet. Tiens, Lily a oublié sa pelle. Elle est jolie aussi. Je vais la mettre dans mon bouquet. Ah. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre dans mon bouquet? Ça. C'est beau la petite brosse. Oh, le beau plumeau. Je sais ce qui va rendre mon bouquet encore plus gros. Excuse-moi, nounours, mais c'est très important, c'est pour Nana. Et voilà, le plus beau des bouquets. Oh, il faut l'attacher maintenant. Voyons voir là-dedans. Non, elle est trop grande. Non, non plus. Elle n'est pas jolie, non plus. Ah voilà, celle-là, elle est belle. Voilà, Nana va être contente. Bonjour Nana. Bonjour Trotro. Qu'est-ce que tu caches derrière ton dos? Tiens, Nana, oh, c'est pour toi. Pour moi? C'est un très beau bouquet, Trotro. Je vais le garder toute ma vie. Merci beaucoup. Et la sucette aussi, tu veux la garder toute ta vie? Maintenant, on fait un tour de voiture. Vroom, vroom. Oups. Vroom. Dis-moi, Trotro, tu pourrais peut-être penser à ranger tes affaires. Ah, mais c'est que je ne peux pas ranger. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je suis trop petit. Je suis un bébé. Vraiment? Moi, je te trouve bien grand pour un bébé. Pour être un vrai bébé, non, je dois trouver un biberon de bébé. Ah, une tétine de bébé. Un doudou de bébé. Pour
pour être un vrai bébé, il me manque encore une chose. Un is-o-is. Et c'est une poussette de bébé. Le problème avec les poussettes, c'est qu'on n'a pas le droit de les faire entrer au cinéma. Au cinéma? Oh, mais tu as raison, quel dommage! Quand je pense qu'on voulait aller voir ce film de cow-boy tous ensemble. Un film de cow-boy? Ce n'est pas très grave. À la place, on ira au bac à sable. Oui, oui, le bac à sable, c'est mieux pour les bébés. Eh bien, mais qu'est-ce que tu fais, Trotrot? Tu ne vois pas comme j'ai grandi? Regarde, tu as vu? Je suis un grand. Je ne suis plus un bébé. Je suis Trotrot, le plus grand cow-boy de l'Ouest. Il est beau, mon cartable. 10, 7, 8. Lily, Nana, regardez, j'ai un cartable neuf comme les grands. Ah oui, il est beau, ton cartable. Tu veux jouer avec nous? On fait des concours de saut. Lily a tenu 8 tours et moi 6. Perdu, Trotrot. Mais non, c'est pas moi, c'est mon cartable. Venez, on va jouer dans le sable. Ça, on dirait que c'est la colline. Et voilà le château. Oh. Oh. Trotrot, passe l'étoile derrière toi pour décorer la tour. Trotrot, je ne l'ai pas fait exprès. Tu pourrais faire attention avec ton cartable. Bon, ça ne fait rien. Allons jouer au toboggan. Oh. Yahoo! Yahoo! Trotrot, tu vas à la vitesse d'un escargot. C'est parce que lui aussi a une petite maison sur le dos avec son cartable de grand. Je suis coincée. Ah, c'est à cause du cartable. Mais Trotrot, enlève-le pour jouer. Non, moi je veux garder mon beau cartable. Nana, je peux monter à côté de toi? Ah non, Trotrot, il n'y a pas assez de place pour toi et ton cartable de grand. Oh. On joue à chat bisou. Tap, c'est toi le chat. Attention, c'est trop tard, le chat bisou. Oh, on est là, Trotrot. Il est beau, mon cartable, mais il me gêne pour jouer. Attention, voilà le chat bisou qui arrive.
Rar, rar, bou, bou, je suis un petit monstre. Rar, rar, rar. Oh. Rar. C'est moi le plus fort des petits monstres. J'ai une idée. Et voilà, mon joli château. Bouh! Tu m'as fait peur trop trop. C'est moi le petit monstre. En plus, tu as cassé mon château. Tu es méchant. C'est normal. Je suis le plus méchant des petits monstres. Je connais un vilain petit monstre qui n'aura pas de gâteau ce soir si sa maman n'a plus d'œufs. Les monstres ne mangent pas de gâteau. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, le petit monstre. Oh, oh, si je t'attrape, petit monstre. C'est rigolo d'être un petit monstre. Tout le monde a peur de moi. Grave, grave. Bouh. À qui je vais faire peur maintenant? Qu'est-ce qui se passe, trop? De quoi tu peurs comme ça? Dans le jardin, il y a une grosse araignée. Mon petit trop, tu n'as rien à craindre. Les petites bêtes ne mangent pas les petits monstres. Oui, eh bien, moi je veux plus être un petit monstre. Comme ça, je pourrais manger du gâteau. J'adore la tarte aux fraises. Je vois ça, Trotro. Je vais faire une petite promenade, Trotro. Tu veux venir avec moi? Non, papa, je préfère rester à la maison. Tu sais, aujourd'hui, Boubou vient jouer avec moi. Comme tu voudras, à tout à l'heure. Oh, à tout à l'heure. Maman, où est Boubou? Mais Trotro, Boubou ne vient pas tout de suite. Il arrive tout à l'heure pour le goûter. Va jouer un peu en l'attendant. Oh, je n'ai pas envie de jouer tout seul, ce n'est pas drôle. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Le nouveau fauteuil à bascule de papa, je vais l'essayer. C'est rigolo de se balancer avec le fauteuil de papa. Qu'il y a d'autre pour jouer dans cette maison? Ce tapis me semble parfait pour les galipettes. Je vais battre mon record. Et un, et deux, et trois. Oh, oups! Oh, j'ai presque fait une bêtise. Heureusement que j'ai une autre idée de jeu très amusant. Voici un magnifique trampoline. Et hop, sur les pieds. Et hop, sur les fesses.
sur le dos. J'adore sauter sur ce lit. Et voilà une bonne cachette. Mais il n'y a personne pour me trouver. Trop. Oh, Boubou est là. Chic, Boubou est arrivé. Je reste cachée pour que Boubou me cherche. J'espère qu'il va vite me trouver. Trop. Où es-tu? Tu m'as fait peur, Trop. Quelle bonne cachette! Je connais une autre, Boubou. Suis-moi. Ça ressemble à une petite cabane. Oh, j'adore ta maison, Trop. Il y a plein de choses pour jouer. Oui, dans ma maison, on s'y amuse toujours bien. Surtout quand il y a mon copain Boubou pour jouer. Et maintenant, une roulade en arrière. Oui. Bonjour Boubou, quel beau ballon. C'est mon cadeau d'anniversaire. Tu veux jouer avec moi, Trop? Oh oui, bien sûr. Avec la tête, Trop. Non, c'est un ballon à renvoyer avec le pied. Hé, mon ballon! Le premier qui l'attrape a gagné. Ah! Où est mon ballon? Il est perdu? Il ne doit pas être bien loin. J'ai une idée. On va faire une chasse au trésor. Et le trésor, c'est ton ballon. Le premier qui le trouve a gagné. Toi, tu cherches dans le potager et moi, dans le massif de fleurs. D'accord, Trop. Il n'est pas là. Je ne le vois pas. Hé, qu'est-ce que c'est? Trop, viens voir! Tu as trouvé le ballon? Non, mais regarde! Oh, je n'en ai jamais vu un si beau! Oh, regarde Boubou, j'ai trouvé des billes. Oh, il y en a encore une autre. Elles sont bonnes. On les cueille toutes. Mais qu'est-ce qui brille comme ça? Oh, un joli bracelet avec des perles de toutes les couleurs. Je le donnerai à Nana. Regarde, Trop, j'ai trouvé des cailloux avec des petits dessins dessus. C'est rigolo. Ce sont des morceaux d'assiette. On va ranger tout notre trésor dans ce seau. Oh, j'ai retrouvé ton ballon, Boubou. Mon ballon. Il était bien caché. Nous, on adore faire la chasse au trésor. Papa, vite. Je veux jouer avec mon nouveau jeu. Va chercher le tuyau, Trop. J'y vais. Tu peux ouvrir le robinet, Trop.
Le vert. Le blanc. À toi, monsieur le rouge. Vite, à la pêche. Oh, raté. Oh, encore raté. Tu n'es pas gentil, le rouge. Je vais essayer le vert. Oh! Papa, papa! Qu'est-ce qui ne va pas, Trotrot? Les poissons, ils ne veulent pas se laisser attraper. Essaie d'être un peu patient, Trotrot, et tu vas y arriver. Voilà, oh, comme ça. Ouais, un poisson! Oh, un deuxième, et tout seul celui-là. Oh, Trotrot, je peux jouer avec toi? Je suis très fort à ce jeu. Fais voir. Et voilà. Donne, c'est ma canne. Hé hey. Je suis bête, moi aussi j'en ai un de jeu de pêche. Je vais le chercher. On fait un concours? D'accord, c'est moi qui vais gagner. Prêt? Partez! Un poisson! Un canard! Un concours de pêche? Moi aussi, je veux jouer à la pêche avec vous. Attention! Ah! Oh, Lily, tu m'as fait rater mon canard! Et le poisson rouge! Ce n'est pas juste! Hey, Lily, un seul jouet à la fois, sinon c'est trop facile avec ton épuisette! D'accord! Bon, on remet tout à l'eau et on recommence le concours tous ensemble. D'accord. D'accord. Trotrot, Lily, Boubou, venez goûter. Oh. Il y en a du monde dans la piscine. Ce sont mes poissons. Ah, ils ont invité plein de copains à goûter. Tiens, Trotrot, tu vas aller au potager cueillir quelques légumes. Ah oui, j'aime bien ça. Tu prendras pour la soupe une pomme de terre, deux poireaux et trois carottes. Tu te souviendras? Oui. 1, 2, 3, je vais au potager. 4, 5, 6, cueillir des légumes. 7, 8, 9, avec mon panier neuf. Bonjour, petit potager. Je viens faire des courses pour maman. Voilà les carottes. C'est difficile. Mais pourquoi tu ne veux pas venir, petite carotte? Comment fais-tu pour être aussi orange alors que tu pousses dans la terre? Et de une. Et de deux. Et de trois. Allez, j'en prends encore. C'est si amusant. Ah. Ah. Les poireaux, c'est rigolo. Ils ont une toute petite barbichette toute blanche. Ah. Celui-là, on dirait que c'est la barbe du Père Noël. Vous avez été bien sages, les enfants. Je prends encore deux poireaux pour faire les cheveux du Père Noël. Avec les pommes de terre, c'est la surprise. Tu es toute petite, toi? Peut-être qu'il y en a une grande là. Ah! Eh bien, petit gourmand, elles sont bonnes les salades de mon potager.
Ça y est, j'ai ramassé tout ce qu'il faut pour la soupe de maman. Miam miam, la belle poire aux joues rouges. Ça, c'est pour Trotro. Aoum. Tiens, maman. Mais Trotro, tu as pris plus de légumes qu'il n'en faut pour la soupe. Ah, je sais, mais comme ça, tu pourras en faire plus. J'aime bien la soupe, moi. Tu as vu ça, nounours? Mais où es-tu, mon petit nounours? Ah, je t'ai trouvé. Mais tu es tout sale. Viens, je vais te faire prendre un bain. Voilà, nounours. Ton bain est prêt. Ne t'inquiète pas. Tu vas redevenir tout propre. Quel beau plongeon, nounours! Bravo, nounours! Tu es un vrai champion! Moi aussi, j'aime bien prendre mon bain. Maman, tu peux me faire couler l'eau du bain? Une seconde, je termine ce travail et j'arrive. Joue un petit peu en attendant mon Trotro. Maman met longtemps à finir son travail. J'ai une idée. En attendant maman, je vais aller chercher mon canard en plastique pour le mettre dans le bain. Mon canard jaune pour le faire nager. Peut-être que je peux aussi apporter mon bateau. Mon petit bateau dans l'eau, ça va être rigolo. Il y a encore beaucoup de place dans cette baignoire. Je vais chercher mon ballon. Un ballon comme à la plage. Je vais aussi rapporter mon seau et mon râteau. Et voilà, il ne manque plus que mon arrosoir rouge. Je vais le chercher. En plus, j'ai trouvé plein d'animaux pour jouer dans mon bain. Qu'est-ce qui manque encore? Il ne manque plus que toi, nounours. Alors, Trotro, tu es prêt pour prendre ton bain? Oui, maman, regarde, j'ai tout préparé. Mais Trotro, il n'y a plus de place pour l'eau. Ça ne fait rien, maman. Je vais prendre un bain de jouet. Trop fort, on ne peut pas jouer dehors. Peut-être que si on dit stop pluie, tous les deux ensemble, elle va s'arrêter. Allez, à 3, 1, 2, 3, stop pluie! Ça ne marche pas. Eh bien, ça n'a pas l'air d'aller tous les deux. Il pleut et on ne sait pas à quoi jouer. Vous pouvez jouer aux animaux devinettes, par exemple. C'est quoi les animaux devinettes? Eh bien, j'imite un animal et vous devez deviner lequel c'est. Cote, cote, cote. Une poule!
Oui, c'est bien. Continuez tout seul pendant que je vais préparer votre goûter. C'est moi qui commence. Quoi? Quoi? C'est une grenouille. Gagné, à toi de faire. Quoi? 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 Facile, c'est un canard. À moi. Miaou, 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 miaou. Je sais, tu es un chat. Oui, comme ça je te mange, petit canard. Oh, je ne suis plus un petit canard, je suis un gros chien. Rah, rah, rah. Miaou. Ouf, ouf. Tu ne peux pas me rattraper parce que maintenant je suis un cheval. Tagadak, tagadak. Si, je peux te rattraper parce que je suis un loup maintenant. Oh, et moi, je suis un papa ours qui veut lire son journal tranquillement. Ah! Même si le loup m'attrape, je ne crains rien, parce que maintenant, je suis un tigre. Rah, rah. Tu ne peux rien faire contre moi, je suis très fort. Je suis un éléphant. Pom, 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 pom. Eh bien moi, je suis un éléphant-tigre. Mais ça n'existe pas, un éléphant-tigre. Maintenant si, ça existe, puisque je l'ai inventé. Le goûter est prêt, les enfants. Voilà les garçons, je vous ai préparé de bonnes petites tartines. Nous, on ne veut pas de petites tartines, on en veut des grosses parce qu'on est des gros éléphants. Pas vrai, Boubou? Oui, même que Trotro, c'est un éléphant-tigre. Mais où est ma voiture jaune? Elle n'est pas ici. Elle n'est pas là non plus. Elle est sûrement dans mon coffre à jouets. Oh, ma trompette! Ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh! Mon flacon à bulles, je l'avais oublié. Ça ne marche pas. Oh, il n'y a plus de produits à bulles. Heureusement que maman sait le fabriquer. Maman, je n'ai plus de produits à bulles. Donne-moi ton flacon, Trotro. Il faut un peu de savon liquide et beaucoup d'eau. Voilà, Trotro, c'est prêt. Regarde, maman, je fais plein de bulles. C'est magnifique, Trotro. Mais va plutôt les faire dans le jardin. Je vais faire la plus grosse bulle du monde. Quelle est belle. Ah, je vais la garder pour la montrer à Lily. Oh! Oh, je vais en faire une plus grosse et plus solide. Eh bien, je vais en faire plein. Il y en aura bien une qui n'explosera pas. Bonjour, Trotro. Bonjour, Trotro. Bonjour, Lily. Bonjour, Boubou. Vous venez jouer avec moi? J'ai vu tes bulles, alors j'ai apporté mon flacon à bulles. Et moi aussi. Regardez, je crois que c'est la plus grosse bulle du monde. Moi, je vais essayer de faire les plus petites bulles du monde. Bravo, Lily. Et moi, je vais en faire le plus possible. Moi aussi. Que c'est joli. On dirait un jardin de fées. Ah, je parie que la prochaine qui éclate, c'est celle-ci. Tu es très fort, Boubou. Allez, encore.
Ce qui est bien avec les bulles, c'est que quand on a fini de jouer, on n'a pas besoin de les ranger. Les cadeaux, les cadeaux, les cadeaux! Oh! Tous ces cadeaux de Noël, c'est tout pour moi? Oui! Des livres! Et là, qu'est-ce qu'il y a? Chouette! Un jeu pour jouer avec les copains! Oh! Ouais! Le gros maintenant! Oh! Exactement ce que je voulais! Qu'elle est belle! Ha ha! Ma voiture, elle va vite! Alors, tu es content? Oui! Est-ce que tu me prêterais ta voiture, Trotro? Non, 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 pas maintenant! Ouais, c'est bien! Il faut que Boubou la voie! Allô, Boubou? C'est moi, Trotro! Tu as ouvert tes cadeaux de Noël? Quoi? Moi aussi? Tu viens jouer? D'accord! C'est Boubou! Youpi! Viens vite! Oh! C'est la même que la mienne! On fait la course? C'est moi qui vais gagner! C'est la mienne! J'ai gagné! Comment c'est la tienne? C'est la mienne celle-là! J'ai une idée pour ne pas les confondre. Et monsieur Nounours prend la tête de la cour! Oui! Ouais! Eh, tu les as vues les grosses boîtes? On dirait des bateaux sur la mer! Moi, je suis le terrible pirate Trotro! Et moi, le terrible Boubou! Il y a la tempête sur la mer! Oh! C'est rigolo, les grosses boîtes de cadeaux! Et voici, mesdames et messieurs, l'incroyable Nounours qui va faire un numéro de trampoline. Doing, doing, doing. Bravo, bravo, bravo Nounours. C'est l'heure de dormir, Trotro. Attends, maman. Je lis une histoire à Nounours avant. Oui, Trotro. Nounours ne veut pas s'endormir si on ne lui lit pas une histoire. Tu sais lire, Trotro? Bien sûr que je sais lire. Un nounours, je sais bien lire. Pour lire, on prend une grosse voix comme ça. Là-bas... Très loin, au milieu de l'Afrique. Je ne sais pas lire les mots en vrai, mais l'histoire, je la connais.
Je sais tout ce qui se passe dedans. Très loin, au milieu de l'Afrique, un zèbre rencontre une girafe. Et voilà, l'histoire est terminée. Tu ne dors pas, Nounours ? Ça veut dire que l'histoire t'a plu. Je t'ai dit que c'était l'heure de dormir, Trotro. Tu veux que je te lise une histoire avant d'éteindre ? Pas cette histoire, on l'a déjà lue. Il y a bien longtemps de cela, à l'époque des fées et des sorcières... Si Nounours est endormi, c'est parce qu'il n'aime pas cette histoire. Tu la lis moins bien que moi, maman. C'est vrai, tu lis très bien, mon fiston. Bonne nuit, Trotro. Bonne nuit, Nounours. Je suis grand, je fais les courses tout seul. J'aime bien faire les courses. J'adore choisir moi-même. Je sais tout ce qu'il faut pour la maison. Et ça, il en faut. Celui-là, hop, dans le chariot. Et celui-là, hop, pour Trotro. Un paquet bleu et un paquet rouge. Celui-là, je le prends pour maman. Et celui-là, pour papa. Des fois, c'est trop haut. Il me faut mon papa. Papa ! Papa ! Mais... Papa ! Je suis là, Trotro ! Trotro ! Oh ! Je ne te voyais plus. Je t'avais dit de rester à côté de moi, Trotro. Maintenant, on ne se quitte plus. J'aime bien aussi faire les courses avec papa. Oh là là, Trotro ! Des gâteaux, des brioches, des bonbons. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Tu ne crois pas que c'était un peu trop, mon Trotro ? C'est tout ce qu'il faut prendre pour Trotro. Oh.
Trotro, tu viens, on va faire la course, Trotro. J'arrive, Boubou. D'accord pour faire la course, Boubou. Je parie que j'arrive au pommier avant toi. Tu verras bien que non. 1, 2, 3, partez. Hé hey. Et hop. Et hop. Et voilà, je traverse sans me mouiller. Et moi aussi, je traverse sans me mouiller. Enfin presque. Ça fait des guili-guili. Aïe, 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 oui, aïe, 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 oui. Ça pique. Et voilà, c'est encore plus facile en descente. Oh. Oh. Et si on se repose un peu, Boubou? Tu sais, Trotro, l'important c'est de bien respirer et de courir régulièrement. Trotro, Boubou, venez prendre votre goûter. Chouette, le goûter. Hé, attends-moi, Trotro. On arrive, maman. Cette fois, c'est toi qui as gagné. Ça donne faim de faire la course. Oh, non, non.